à l'éternel. Mes bien-aimés, nous comptons être pour le matin, l'église la fête. Et par là, parce que c'est fête sa lune en temps, fête que l'église a gagné, côté que nous commémorer la mort et la résurrection de Jésus. Encore matin, on a célébré encore la fidélité de Dieu. Est-ce que nous pouvons demander nous en fidèle? Amen. On a songé l'année dernière, on n'a pas l'année dernière. Dernier service que famille pasteur participait avec nous, c'était un service pas. Après, il a fini de participer dans ce service ça, il va retourner l'église là encore. Dernier maître qui était avec nous, c'est lorsque tu as ton prière que tu as fait, tu as présenté l'église là. Et après prière ça, il t'a chanté, il t'a lu la Bible avec toute force. Après ça, là, je suis là, rentré à la maison. Depuis lors, il va retourner l'église là. Mais ça va empêcher l'église là continuer.
de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et le vieillard me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Et je vis au milieu du trône les quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux. Les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent, alléluia, devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un petit nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et de l'ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang, les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait le royaume des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Amen. Je regardais, je te dis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards. Oh,
prochain. La suite de ce petit bagage ça va. Amen. Yeah, c'est l'église chrétienne à travers le monde entier à célébrer un gros important événement. Et ça qui c'est la résurrection de Jésus-Christ, la victoire de Jésus sur la mort. Amen. Donc, c'est ce que nous appelons la bonne nouvelle. Et ça, la résurrection avec la bonne nouvelle. Ah oui, et les acteurs de Jésus qui disent, Dieu les voit là pour Jésus. Le côté là, allez. Bon, on va les prendre, les voir, les affiner au côté. Est-ce que la bonne nouvelle est bien rangée, la grande molle bien rangée? Je sais, tout le monde est bien rangé, rangé. Tout ça, c'est pour vous rangé. Est-ce que vous voulez voir les prendre maintenant pour que vous fassiez ça? Non, non. Là, vous venez voir le mari, on va voir le fou y aller. Non, non, vous venez tout le monde grave, ployé, hein, soigneusement rangé, et puis vous allez voir les voir. De Jésus Seigneur, la foi chrétienne, et c'est ce qui fait la valeur. La valeur unique, taisez-vous en haut. C'est ce qui fait la valeur unique du christianisme. La résurrection, c'est la base de la foi chrétienne. Et sans la résurrection, eh bien, le christianisme, tape une coquille vide. Amen. Yeah.
doit ouvrir le livre, eh bien l'avenir de l'humanité est compromis. L'avenir de l'humanité est compromis. Jean tombe et crie. Jean dit dans le verset 4, j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Et les gens vont pouvoir faire ce que vous. Amen, alléluia. Et personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Le pas de compétence. La caille personne. Alors, dans le verset 5, alors le vieillard, et ça dit là, le vieillard, et me dit, en parlant de Jean, oui. Ne pleurez Jean. Jean suspend crier. Et quand tu as dit, allez, Jean, suspend le grimace, ok? Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le roi chant de la ville, a vaincu pour ouvrir le livre et sa sainte sauve. Amen, alléluia. Le jeune compétence là. Le jeune expertise là. Nous parlons qu'il y a pour ça, monsieur, ça fait le Jésus là. Qui est un compétent pour ouvrir le livre là et puis pour lui capable de non seulement regarder le livre. Alors le vieillard dit, suspend crier chant. Vous n'avez pas de vieillard, vous n'avez pas de grand vous n'avez pas ancien. Et pour ça, vous respectez l'ancien, vous avez dit l'église. Et pour si vous ne respectez l'ancien, vous m'a dit, il m'a dit, je vous la vie. Eh bien, 24 anciens, ça vous avez dit l'attention en pile, en pile la vie. Oui, vous avez dit ça. Quand vous avez dit la vie, 24 anciens, 24 vieillards, paraît, eh bien, il y a pris des gens, il y a fait visite guidée pour Jean, il n'y a pas tiré attention aux gens, il n'y a pas tiré attention aux gens, vers qui est? Vers le lion de la tribu de Juda. Amen, alléluia. Le rejetant, quand on parle de rejetant, on parle de progéniture, on parle de fils. Là, le rejetant, ça signifie petit, ça signifie fils, petit David, là, il s'agit évidemment de Jésus, de Jésus-Christ. Amen. Et Jésus est habilité. Jésus compétent. Jésus capable. Ouvrez-le là à cause de ce qu'il a fait sur la croix. Mais ça va nous faire ça. Amen. Alléluia. Il a la capacité pour lui ouvrir le livre là. Amen. Par son sacrifice, sacrifice il y a la croix, bali, dignité, et il y a la capacité pour ouvrir le livre là, pour prendre ce que pour ouvrir, pour prendre compte mieux. Amen. Celui qui a dit, ah oui, il a triomphé du péché, il a triomphé de la mort, et bien tout ça, bali, capacité, et avec nous, on a prêché, pas
Yeah.
Yeah.
danger. Ah non, il ne vous a pas mis un risque. Ah, le risque serait très tellement énorme. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Eh bien, Jésus-Christ, l'opéo, dans les apôles, sans le moyen qui t'arrive, qui t'arrive au matin. Résurrection de Jésus, c'est de la peau qui mourit. Elle vient pas qu'à tirer sous. Elle vient pas qu'à déranger au secours. Secours chrétien. Elle vient pas capable parce que moins enveloppé, moins enveloppé avec de la peau. Ça, ça t'en fait pour la brûler pour ça. Mais il n'y a pas qu'à. Parce que gouvernement pas maintenant, gouvernement pas maintenant, mais de la poche pas gagner si soldat ou autre, quel que soit le calibre, nous sommes voilà, ou pas capable, parce que le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus est puissant. La résurrection de Jésus, c'est la pièce maîtresse du christianisme. Sans la résurrection, il n'y a pas de sauveur. Sans la résurrection, il n'y a pas de rédempteur. Sans la résurrection, il n'y a pas de franchise. Sans la résurrection, on ne saurait parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Maintenant, que tout ça que mourut dans le milieu ressuscité avec nous. Que toute maladie incurable, incurable, vous souffre maintenant, que lui trompe dans la résurrection de Jésus-Christ. Thank you.
Yeah.